Gros bonjour, bonsoir pour toutes amis internautes premier niveau. Jeudi, c'est mardi 20 août 2024. Nous comptons rentrer la caillou avec une nouvelle vidéo de formation. Mesdames, messieurs, c'est comme si m'da dit non, c'est preuve que aussi mais dans le département sud pays d'Haïti et côté que gagne et commissaire gouvernement yo, donc qui pas qu'a fait en pile temps dans tête paquet yo. Donc j'en ai regardé là mesdames, messieurs. Et bien gagne commissaire James Jean-Louis qui lui même pas même fait 2 mois dans tête paquet au caille suite eh bien à installation côté qu'il était installé dans date 2 juillet 2024 là côté qu'il était remplacé eh bien maître Ronald Richemont qui était lui même était occupé tête paquet au caille qui était fait environ 5 années et non tête paquet là. Eh bien mesdames messieurs James maître et James Jean-Louis qui lui même pas fait 2 mois et côté qu'il était capable de le faire 1 mois environ 20 jours dans tête paquet au cas il était remplacé et Maître Ronald Richemont et donc il était capable de dire c'est gros chambardement là qui fait dans appareil justice là dans juridiction Koto ak Okaï côté que gain était capable de dire et dans date lundi 19 août 2024 là et bien ministère de la justice ak sécurité publique pour ses domités dehors et Maître James Jean-Louis et justement qui était récemment installé comme commissaire gouvernement AI dans juridiction Okaï là. Et donc, bon, nous t'es déjà connu que la situation a déroulé. Donc, dans le jour qui s'est passé, côté que, eh bien, et suite à l'opération, tu es capable de dire, bon, en fait, paquet Okaï, M. James Jean-Louis, t'es mené avec la police. Et côté que, donc, il y a Joseph Josem qui, eh bien, était pour la victime par la suite. Et donc, c'est vraiment un gros scandale qui t'est fait, côté que, il y a un peu de monde qui t'a opiné des opérations ça. Donc écoutez qu'il nous était arrivé tenter mettre James Jean-Louis dans une interview dans petit palais qu'il t'a fait avec la presse et qui t'a bail détail des opérations ça. Donc c'est vraiment et en situation côté que n'a regardé donc le commissaire qui pas et fait et en pile temps dans tête paquet au cas mesdames messieurs. Donc il a remplacé lui c'est eh bien maître Joubert Amazon qui et bien est nommé et ou bien t'es capable de dire qu'il pourra occuper tête paquet au CAI. Maître Watson Azor qui t'est occupé tête paquet et juridiction au couteau mesdames messieurs eh bien il a poussé d'ol mettre le dehors tout et donc c'est vraiment et donc t'es capable de dire un gros chambardement qui fait dans appareil justice là et donc côté que eh bien yo poussé de Maître Watson Azor et qui lui-même était occupé tête paquet au couteau dans le mois de décembre 2023 passé à là. Nous-mêmes nous toujours fait le nécessaire pour nous porter bon gens information et pour puisque nous connaissons que au même ou pas qu'arrêter sans que ou pas informé ou pas connaître ça qui a passé la caillou. Eh bien mesdames messieurs, hier lundi 19 août 2024 la gagné Maître Timothée Jean-Miller ensemble avec famille Joseph Josem, qui c'est un jeune garçon qui était tombé dans l'opération Paquet Okaï avec la police, était mené dans la date lundi, dans la date dimanche et 11 d'août pour arriver lundi 12 d'août 2024. Là. Eh bien, mesdames, messieurs, eh bien, avocat ça qui lui-même déposé plainte et dans le ministère de la Justice et contre, en fait, capable de dire ancien commissaire gouvernement Okaï, la maître James Jean-Louis. Eh bien, avocat qui déposait plainte avec famille et Joseph Josem a demandé justice tout et a demandé eh bien pour et donc la justice bail autorisation pour être capable de faire funérailles pour être capable de jouer encore jeune garçon pour faire funérailles. Donc n'a pas avec tout détail pour comme ça. Dame ça qui n'a pas regardé sur écran, eh bien dame ça qui est même jusqu'à présent qui pour que jeune justice côté que de faire connaître que bandit et nèg exam occupé Kaili dans zone Delma. Donc nèg envahi Kaili prend Kaili mette moun yo vle là-dedans et yo même ta vle vendre Kaila. Donc n'a bien avec tout détail pour comme ça. Bien avant que nous rentrions dans le détail, m'a mande un service tout petit, m'a mande pour abonner à premier niveau. Ou même qui pas qu'on abonne, mes amis, faut qu'on abonne. Qui donc est extrêmement important pour encourager travail là et aider la communauté premier niveau à grandir. Qui donc, voyez-vous à droite, beaucoup de nos chaînes YouTube là, ou pour espace qui marque s'abonner
ou bien subscribe, dépendamment de la langue que l'appareil va utiliser ici. Eh bien, cliquez sur lui. Après un petit temps, on va pour petite cloche paraître de bon côté. Cliquez sur petite cloche là, retirez-le sous personnaliser, mettez-le sous tout. Là, on fait ça, on ne peut jamais rater. Il y a une vidéo que le premier niveau a partagé et on va aider la communauté, on va aider la plateforme à grandir. Nous déjà avec 53 000 abonnés, un abonné pour niveau 60 000 et pourquoi pas 100 000 abonnés avant que l'année 2024 là, les fini. Like vidéo, hein, quitte un commentaire et ensuite m'a demandé pour partager vidéo ça, ça permet l'autre monde ouais et connaît que j'ai une situation à dérouler dans la ville au Kai et dans d'autres autres régions encore dans le pays. Bien rapide, n'a pas été dans le détail, yo, gen Maître Timothée Jean Miller et famille Joseph Josem, eh bien, déposé plainte dans le ministère de la Justice contre ancien commissaire gouvernement au Kai, Maître James Jean-Louis. Bien suite à la mort et jeune garçon ça qui c'est Joseph Josem qui lui-même était tombé et bien selon et ancien commissaire M. James Jean-Louis qui était fait connait que c'est dans cadre d'une opération paquet au caï avec la police et côté que et bien et Joseph Josem était prêt à tomber et bien en pile opinion en pile monde était opiné de déclaration et bien M. James Jean-Louis était bail et avec la presse était bail dans la presse alors et bien qui te fait comprendre que comment que nous fin maîtriser et bien le monde et puis après pour nous relâcher des âmes pour te ban nous donc en plein monde estimé si ça t'a fait vraiment c'est ta manque de professionnalisme bon côté parquet bon côté et bien la police mesdames messieurs entendez M. Timothée Jean Miller qui lui-même était parlé avec la presse à lundi 19 août 2024 là côté qu'il t'a déposé plainte et contre et ancien commissaire gouvernement au Kaila, M. James Jean-Louis. Entendez et regardez comment ça y est. Jodi a nous présents au tribunal de première instance de Kaï pour nous déposer plainte formelle et plainte déjà déposée dans le greffe tribunal là. Donc nous prenons la voie du cabinet d'instruction avec dossier ça. Donc on est que Joseph, qui c'est un professeur de langue vivante, qui c'est un entrepreneur, ou qui c'est papa de petit fille 12 ans, c'est un monde qui t'a pris service, il y a un paquet au CAI, il t'a utilisé service dans l'interprétariat, et notamment dans la traduction anglaise. Eh bien, nous connaissons dans la nuit du 11 au 12 août 2024, tu as gagné commissaire du gouvernement de Kaï, l'actuel commissaire du gouvernement de Kaï, Maître James Jean-Louis, qui était accompagné de l'équipe. Elle t'a fait comprendre, dans une conférence de presse, elle était assistée du juge Paul Tat, qui est un juge de paix. Titulaire des cailles qui te bal entrée des lieux et nous connaît qui ça qui t'est passé, eh bien, Joseph pral assassiné la caille. Yo prend l'en bas vente madame li, yo pas jouen zam, yo pas jouen en yen la caille, li pas représente yon menace pour personne, li pas représente yon menace pour commissaire gouvernement. Yo maîtrisez, eh bien, nous connaissons Joseph, li assassiné. Et même entièrement, cadavre là, pas qu'attendre, tellement yo maltraité cadavre là. Commissaire James Jean-Louis, après, li fin jeté cadavre là, faut qu'on clair tout ça. Li fin jeté cadavre là, sous pression. Population la chercher cadavre là la déposer dans morgue Sacré-Cœur des Cailles et malgré effort que commissaire gouvernement fait M. James Jean-Louis pour être capable de réparer cadavre là il pas capable de réparer souhaite tête monsieur tête écrasé donc là cas ça nous dit que ces derniers jeunes garçons pour James Jean-Louis assassiné dans la juridiction,
nous déposer plainte formelle contre commissaire James Jean-Louis pour assassinat, pour tentative d'assassinat, pour association de malfaiteurs, et nous déposer plainte tout contre tout le monde qui était participé dans le crime, tout le monde qui est dans le dol. Plainte déposée également contre magistrat, contre juge de paix, Paul Tat. Nous entendons, il y a qui dit, Paul Tat dit, il n'est pas présent. Laisse ça te passer. Il dit, ce n'est pas lui qui est entré des lieux. Il parlait avec nous sur ça, il dit, il n'est pas entré des lieux, il n'est pas là. Mais, étant donné que le commissaire du gouvernement, c'est une voix officielle, c'est lui-même qui l'a dû être bien long. Pour le dire, c'est Paul Tat, c'est magistrat Paul Tat qui déballe entre des lieux. Pas avant, magistrat Paul Tat, juge Paul Tat, il fait une conférence de presse ou bien il sorti une note pour le porter un démenti formel contre la déclaration du commissaire du gouvernement. Et bien nous-mêmes, nous prenons déclaration du commissaire du gouvernement pour ça le dire. Donc c'est pour raison ça, nous déposer plainte contre commissaire, contre commissaire et puis juge Paul Tat. Et nous pas seulement déposer plainte dans le cabinet d'instruction, le ministère de la justice il saisit des dossiers déjà, nous déposer plainte au niveau du ministère de la justice et nous déposer plainte également au niveau du CSPJ, conseil supérieur du pouvoir judiciaire, parce que mon yo pas nommé commissaire gouvernement, yo pas nommé et un juge de paix pour lui assassiner moun, pour lui assassiner des paisibles citoyens en la communauté. Mais qu'on a, est-ce que famille a une autorisation pour le ouais ou bien jouer ou quoi pour le capable d'organiser les funérailles? Eh bien, malheureusement, jusqu'à présent, je ne sais pas qui ça qui l'a en tête commissaire James Jean-Louis. Aujourd'hui même, il a été sommé, nous sommé pour que lui non seulement ait accès à famille pour faire un vrai cadavre là et ensuite pour restituer cadavre là, parce que mon besoin faire un enterrement digne de ce nom pour frère monsieur et monsieur Joseph là nous le gon maillot la main l'a demandé justice pour frère Joseph qui a été assassiné brutalement, sauvagement par le commissaire du gouvernement de Taille, maître James Jean-Louis. Le dimanche, chaque dimanche, j'ai trouvé l'argent pour manger. Je me fais toute semaine en net, comme je me suis gratté la pied, pas je me dormi. Et puis, lundi matin, je me dis, mais arrêtez Joseph. Je me fais quête. Et puis, arrêtez Joseph pour Joseph manger. Et puis, même côté, je me suis dit, je me suis tout bagaille croisé. Je me suis dit, si Joseph n'a pas de madame dans la caille, il a pris Joseph, nous personne ne pouvons pas côté Joseph passé. Ce que nous jeunes Joseph, c'est parce que il a pris madame dans la caille. Il est entré. Il est venu à 6h45. Joseph est dans le programme. Les Joseph sont dans le programme à 30 ans. Il a commencé à frapper à 6h45. Joseph n'a pas ouvert. Joseph a écrit tout ce milieu. Il dit qu'il a pris le à frapper. Il est le commissaire Richmond. Commissaire Tenadori. Je viens avec Siameto. Je viens avec Piqua. Je scie et Baguier. Il faut le dire ça. Il va le courage pour le dire ça. Je viens avec Siameto, scie et Baguier. Le fin scie et Baguier. Avec l'équipe là, je scie et Baguier. Le fin scie et Baguier, je prends Piqua. Je rache et en Baguier. Je rentre. Je rentre dans le parking. Dans le parking, dans le commerce, je crase par le commerce. Les Joseph Moué, lui, pendant l'autre chambre, il dit pas de choix. Si vous dites que c'est un bandit, le bandit a frappé, a frappé, il a tué deux trois grenouilles. Il n'a pas quitté deux trois grenouilles. Il a sorti cherchant, parce qu'il connaît, il connaît le bras de mourir. Les Joseph viennent l'ouvrir pour tabayer. C'est là que ça a commencé à battre Joseph. Je battre madame, je vais maltraiter. Je vais me déboîter. Le minotel déboîter, je vais sortir de l'avenir. Je vais prendre manche, puis quoi?
Vous commencez à battre en bas avec fait. Il n'y a pas le bâton. Vous connaissez le fait asthmatique. Toute la prière, je vais prendre le bâton. Lui, ils vont au dernier côté. Lui, dit, mon petit goût de l'eau, non. Je dis, pas de l'eau. Ça vous fait de l'eau. On est au même côté, à la communauté, à la terre. Il n'y a pas le bâton, pas le bâton. On est à la ville. Nous, la police, c'est qu'à passer. Je dis, la police, est-ce que je vais faire ça? La police a dit non. Vous ne pouvez pas faire ça, mon nom. Et espèce figurinali et yo di police quoi pour la gête maman qui t'aime faut faire travail moi soit venir chercher là yo tire sur cette police ça il y a même côté le tire sur cette police ça police ça vini il y aller elle vient aller yo prend Josem yo prend le vol la machine non yo quitter madame pas de monde qui te connait côté yo fait avec les yo dit Josem dit qu'on zam n'enragé non tout pour l'albaïli. On est à la lit, il est en train de noter, parce que je suis méprisé déjà. Qui j'aime faire les âmes ça? Qui j'aime faire les âmes ça, je noter de bois derrière. On est à la lit, Josem, bois que les âmes, il est en train de boire que les âmes, et puis le tirer. Le même soir, il a jeté Josem. Il a été enterré. Là, il a été enterré là, il a dit qu'il a fait écho. La déterre Josem, la l'entreprise à la mette Josem à 2h du matin, la entreprise à Kekea. Vini tout seul, même entreprise à, même moun yon pa vle pran kwa, pou jan kwa kaze, yon rache Josem, yon rache tout gen nan bouchi, sou yon kalite tout nan tête Josem kote jil rache, et pou tan komisa te di li pa bat Josem. Mpa kwe, si jij la ta ave ou, je n'ai pas jamais d'autorisation dans les ça pour tout le monde, pour tout le monde comme ça. Parce que je ne connais Josem des problèmes avec le commissaire. Je ne connais des problèmes avec elle. Je ne connais des gangs là quand même. Et puis là, mettons plus de dossier sur Josem. Il prend une série rad qui va même entrer sur Josem. Josem son gros garçon. Josem a un gros pied. Il prend une botte qui va même bon pour Josem. Il prend une manchette tout neuf. Ou tout avec J joué le J journal lundi pour venir faire comme ça pour vous. Où est le paquet? Où est le greffier? Greffier pas venu. Mais même moi, je demande pour le bon mort. J'ai besoin de frère, même pour m'enterrer. Parce que Josem pas un indigent, Josem pas un chien, pas de bon chien. Maman me fait étude Josem. Maman me fait bac cigarette qui levait Josem. Mettez Josem l'école, fait indication. Josem son petit garçon qui est intelligent, l'école. Josem pas, j'aime pas passer l'école. Nous, aujourd'hui, je ne Josem a bail tout. Tout bagage dans la société aujourd'hui à la pour moi, c'est comme ça ville passée. Pour commencer à tout le monde comme ça. Mais même moi, je demande pour le bam, frère même, pour m'enterrer. Dame ça qui n'a pas gardé sur écran, qui l'a même parlé avec la presse, côté qu'elle dénonçait un réseau qui a fonctionné dans Port-au-Prince, côté que, eh bien, réseau ça, et c'est le sale fait nous connaître, eh bien, réseau ça prend Kaeli, il envahit Kaeli, allez tout ça, et Kaeli a été gagné là-dedans. Et ensuite, j'ai même metté moun nan kay sa et bien j'ai même ta même vle arriver vendre kay la mesdames messieurs. Et mesdames nan qui parlait avec la presse qui dénonçait et ensemble de groupe moun sa qui yo même et bien a fait gros désordre et bien nan Port-au-Prince côté que dame sa gen kay li qui situé à Delma. Entendez et gardez qui jan situation yi. Moi c'est Anne-Marie Gérard. Jodia m'a pas adressé moi à président conseil de transition avec toute équipe là c'est monsieur Edgar Leblanc fils m'a adressé moi à premier ministre là qui c'est docteur Gary Conin m'a adressé moi à ministre justice là monsieur Carlos Hercule m'a adressé moi à commissaire gouvernement monsieur Lionel Constant Bourgoin. Je m'a adressé moi à DG Police, M. Ramon Ormil, à chef cabinet, M. Smith Peyo, à inspection générale police, là, à DCPJ. Je dis à ces plaintes pour venir porter. Nous ne connaissons pas ça, mais on a porté plainte dans les médias. Mais nous comprenons que nous ne pouvons aller ni dans le paquet pour malouer le commissaire gouvernement. Ni dans DCPJ pour mal porter plainte parce que nous connaissons que des policiers dans ces terroristes qui armés à toute bonne yo à toute réseau
qui prépare yo pour yo éliminer parce que m'a dénoncé que yo volé tout ça me travail fait pendant plus que 40 ans. Moi travaille 41 ans et plus. Dans 41 ans et plus, il y a 15 ans là-dedans que moi travaille 24 heures sur 24. Moi travaille la journée, moi fais nuit 12 heures de temps. L'hôpital général, l'hôpital Université d'État d'Haïti. Moi te travaille dur comme ça pour moi te ca occuper petite point. Moi te travaille dur pour me battre des monde, pour me battre voler. Parce que pas gain ça dans sang nous, dans famille pan. D'autant plus que c'est mon province moyen. Mon province gain principe. Parce que province c'est pas on la cour récréation tout pour nous comme l'autre. C'est Port-au-Prince qui la cour récréation, c'est ça qu'on a tout gang ça là-dedans. Et yo fait tout ça y a fait ouvertement publiquement. Jodi a moi vient porter plainte pour monsieur Winston Segdus qui sont policiers à Pena. Nif monsieur ça c'est 100-878-574-2. Monsieur ça a coupé cadda barrière, les coupé cadda porte fait forger entrer la caïmen, il craser série porte point, il rentre avec toute équipe là. Yo volé tout ça me possédé, tout ça me travail fait, tout ça petit mon travail fait. Pendant tout temps que m'a travail, yo la game de bras ballant. M'a porté plainte pour pressoir jeudi qui dans gang ça tout, gang réseau terroriste là. M'a porté plainte pour Maxo Tanis. Maxo Tanis ça lui-même, l'a rentré sortir dans caille là toujours. Li mettait mon dans caille là oui. Mais la bande est sortie, il y a madame ni la famille dans caille là. Femme dit nous dans caille ça tout grand monde. Ba kon maman qui est lié dans l'équipe là que petit garçon là bat li tout dans caille là, bat li trois quatrier. Il mettait maintenant coule pour touyer. Voisinage c'est bruit attendre tout temps. Yo dit yo pas ca secourir madame non. Monde qui responsable bagaille ça dans pays a tant pris à secourir madame ça que petit li a bat la caille dans caille moyen. Li bat li tout temps c'est dans Delma 33 oui erreur numéro 12 dans kay ça si nous voulons reconnaître li gen deux petits fitou par contre si c'est adolescent fillette 10 12 ans gen yon ki rele Rosine gen yon ki rele Anaïka son façon pour nous carré exactement qui côté moi voyer nous parce que grand maman que petit garçon la bat li tout temps dans kay la presque tuel li met pen en coule pour tout fel la brela en moi tout temps mais personne pas apparaître. Et ma pote prête pour Claudie, moi t'ai parlé nom de Claudie déjà. C'est Claudie qui a vendu Kayla, c'est lui qui a hypothéqué elle, c'est lui qui a enfermé elle, c'est lui qui a loué elle. Yo mené moun vinn garder Kayla, mais comme on n'apparaît, moun nan dit son Kay yo volé. Li pa acheté elle. Parce que si non Kay depuis 36 ans, gen moun ki dit c'est petit point que yo connaît. Yo connaît que Kay ça pas vendre. Je dis à ma petite tout le monde que quel que soit le monde qui vient offrir nous Kaïsa qui dans Delma 33 Uri Erard numéro 12 ans pas acheté parce que c'est seulement qui a autorité vendre Kaïsa sous terre ça non moment m'a parlé avec nous et après tout autant m'a dit nous l'autre parole c'est moi seul qui autorisé vendre Kaïsa et si ça change c'est moi qui vienne devant écran qui vienne dire nous tout. Qui est-ce que moi passe autorité à bail? Personne pas doit vendre Kayla. Moi dit non pas acheter parce que si nous acheter c'est l'argent nous a perdu. Moi parle m'a porté plainte tout pour Jean-Edric d'Orléans. Numéro patri c'est BB16235. Emmanuela Averné, numéro patri c'est AA03053. Jodi a m'a dit madame Emmanuela Averné. Et li ka clarifier ça parce que jusqu'à présent recherche c'est ça li bay li ka essayer garder qui ça gagne li gen doit paraître tête li tout même j'avais sous écran télévision pour li parler tout pour li défendre tête li tout
Parce que capable nan jodi a son cas grave, moi j'ai 65 ans. Pour un réseau gang terroriste policier rentrer la caille moi gros la journée publiquement devant tout le monde. Yo volé tout ça me possédé, tout ça me redi fait. Tout vim ak sa petite pour redi fait des bagages qui coûtaient en pile l'argent. Jodi a moi pote plaide dans média. C'est pour nous éviter moun sa yo quitter pays a. Mande tout pour nous ouvrir yeux nous dans quartier si bagay moun sa yo dans quartier la caille nous. Pour nous connaître que c'est volé gangster terroriste yo. M'a dit nous jodi a moun sa yo. Mande tout moun que mande aide là dans gouvernement, autorité qui gagne pouvoir pour ça. Interdit moun sa yo quitter pays a. Bloquer compte moun sa yo. Saisis bien yo parce que Claudie a grand bande caille yo volé. Li dit li nan immobilier bus d'ici en relais poto centre d'affaires Claudie. C'est li k'ap vann tout caille yo volé pour moun. C'est li ki grand bande caille nan men li a vann. Si nous quitter moun sa yo sauvé. Corte m'a joine moyen moi même pour vivre vim pour vivre vim. Parce que moun sa yo pote aller tout ça posséder même machine moi. Qui gen plaque BB 37378. Moi dis nous ça machine moi son Suzuki Jimmy blanc modèle 2017 BB 37378. Quel que soit côté lié ya, c'est pour tout peuple haïtien connaît que son machine que vous volé. Moi bande diaspora communauté internationale là tout monde que ça concerné pas acheter un rien de ce genre en Haïti. Surtout dans le département ouest ça. Il y a pour fin caille qui vaut paquet l'argent pour 10 000 dollars américains, 20 000 dollars américains, 50 000 dollars américains. C'est l'argent qu'on a gaspillé, c'est l'argent qu'on a perdu. Parce que moi je crois et certain pays a pas prêté comme ça. Tout le monde pral ka récupérer bien yo. Tout le monde pral ka récupérer ça yo gagné et tout le monde qui vole bien monde pral payer pour ça que fait parce que c'est criminel yo yé. C'est assassin yoye, c'est bandit yoye, c'est gangster yoye, c'est terroriste yoye. Maman de monsieur Norbin Rameau, DG police là. Pour nous ouvrir les yeux sous gang, sous réseau terroriste ça qui a développé de police nationale d'Haïti. Jodi ya si met figure dehors. Moi prends responsabilité pour moi dénoncer ça. Moi connais que c'est au risque de vie pam mais moi fais pour pays moi fais pour l'état haïtien moi fais pour nous cap diriger pays parce que ça c'est job nous c'est pas job pam parce que nous fait pour nous mettre peuple haïtien en sécurité pays a difficile c'est vrai mais si nous connaît que nous pas tap bay résultat moi crois que nous pas tap là pendant que nous là moi même si ça me ka faire pour m'aider nous en m'a fait. C'est l'une des raisons que je demande de nous arrêter, presser, presser. Surtout, mon moins dit que c'est policier lié à Wixton Segdus. Arrêtez Jean-Éric d'Orléans. Arrêtez jeudi pressoir. Arrêtez Maxo Tanis. Arrêtez Claudie. Arrêtez Jean-Éric d'Orléans. Emmanuela A. Verné pour information que me gagne parce que c'est plaque machine ça yo te rentré la caille moi tant comme dit non plaque machine yo c'est BB 16235 qui sous nom Jean-Éric d'Orléans AA 03053 sous nom Emmanuela A Verné bon et Emmanuela a toujours défendre tête li contre plusieurs noms yo moun plusieurs moun contre même prénom. Plusieurs monde qu'on gagne même prénom avec même signature. Emmanuela qui a toujours défendre tête li si c'est pas lui. Et moi mandé pour tout le monde qui dans pays a rester ferme. Moi mandé pour tout le monde qui dans pays a ouvrir les yeux sur ça qui a passé. Bon la caillou. Je demande à tout le monde qui est dans le pays, de ne pas quitter le monde, voler les cailloux, encore espérer. C'est PAM qui est le dernier caillou qui a essayé de voler. Je demande pour tout le monde qui est dans le pays,
veiller en haut, veiller en bas. Parce que le pays a chargé problème, il a chargé difficulté. Si je dis, nous avons un gang, réseau terroriste dans la police, et malgré me parler déjà, personne ne pas fait effort. Si gang ça vient multiplier, même Jacques ça nous dans la rue, nous imaginons qui ça s'accabaille, là ça nous bral rele en moué, nous bral dit craser police, même Jean nous dit craser la main. Laisse ça nous pas gagner pays encore. C'est parce que c'est ça que fait jodi à demander pour tout le monde qui a la tête pays. Nettoyer pressé police nationale d'Haïti. Arrêtez tout le monde qui dans gang ça nous gagne non yo pressé prend yo pour ban nous l'autre yo et nous compte tout ça pour nous faire pour nous prendre l'autre yo. Moi dénicher un réseau gang terroriste pour nous qui gagne police là-dedans. Moi bon nous assez non pour nous joindre tout reste monde qui dans gang là. Et moi besoin nous libérer caille moi pressé. Moi besoin nous libérer caille moi pressé. Son grand monde moyen besoin caille moi pour moi dormir pour moi coucher. C'est seul bien que moi t'ai redi fait pendant plus que 45 ans que m'a travaille. C'est seul bien que moi rivé gagner. Pour un groupe monde sont pas cruel. Prend tout un seul jour. Ni machine, ni caille. Ni tout ça gagné en don kay qui coûte en pile l'argent. Monsieur sa yo kon ki sa yo pran. Monsieur dame sa yo kon ki sa yo volé. Et moi même moi ti as que moi récupérer tout sa yo volé pour moi. C'est peut-être ça moi mandé communauté internationale. Même République Dominicaine qui tout prier. Fermer frontière nous pour tout moun sa yo tout. Fermer ambassade nous pour tout moun sa yo tout. Fermer frontière nous pour tout moun sa yo tout. En pour l'État ici incapable de mettre mes mains sur eux, m'a parlé de jeudi soir, Max Sotanis, Winston Segnus, qui a numéro d'identification 100-878-674-2, m'a parlé de Claudie, poteau centre d'affaires Claudie Gembadji, Meryl Gembadji, cour d'appel, m'a parlé de Jean-Edric d'Orléans. M'a parlé de Emmanuela Averde. Si nous mettons mes sous yon sous deux, n'a besoin tout pressé. Tant pris, messieurs. Si moi-même, moi, je suis dans le pays, c'est parce que vraiment. Tant pris. Surtout le monde qui est dans la police. Pressé, mettez mes sous goutte gang. Théoriste ça.